fait un run ici, un Mugen MGT7 avec une carrosserie Beat Design 765. Et on a ici à notre droite un Rally Game Brushless, le HB819RS en 6S, en 4S, en 4S. Et c'est parti pour un petit run. On va faire un départ à la ligne. Au départ. 3, 2, 1, go! Il est où là? Ah, il est là. C'est le 4S, c'est un petit peu léger le 4S pour la course. Ce châssis, c'est un Mugen MGT7. On va juste regarder la motorisation, hein, parce qu'elle est assez impressionnante. Alors, c'est le OS R21 GT Rodi. Il a une ligne Ipex, c'est un coup de conique gros diamètre, avec un résonateur Milk Efra 2041 Turbo. Après, voilà. J'ai déjà fait la présentation de ce châssis. Là, il a un rapport transmission en 16-20, 46-49 au niveau de la couronne centrale. Et puis, voilà, un très bon servo Futaba. Le 9372 SV, high voltage. C'est alimenté par un accu 7.2 LRP, ici, en bleu. On a cru. Et voilà, c'est un châssis. Alors là, il a tous les triangles inférieurs du MBX8 qui permettent de rigidifier avec des carbones. Ici, c'est des carbones faits maison en silver, couleur grise, parce qu'on a fait une épaisseur un petit peu plus large que ce qui est proposé dans le commerce. Donc c'est du sur-mesure en carbone silver plus épais. Voilà. À l'avant, on a les triangles S-Works supérieurs qui améliorent l'angle de chasse. Ici, on a mis la petite protection pour sécuriser la ligne d'échappement. Ici, on a mis la petite protection pour sécuriser la ligne. Il n'y a pas d'interrupteur. Et voilà, on a fait le tour du châssis Mugen MGT7. À bientôt. Ciao. Thank you.